Voilà, salut Bob. Donc l'histoire des one shot. Nos actions chez Jade au niveau écologique pour réduire un petit peu tout ce qui est empreinte carbone et tout ce qui est néfaste pour la planète, sans aller jusqu'à créer une planche biodégradable, ce qui pour l'instant, à mes yeux, n'est pas possible, mais peut-être qu'on va y venir. En tout cas, on fait des efforts, c'est-à-dire qu'on a une fabrication européenne, ce qui nous permet de réduire donc beaucoup les transports et ce qui nous permet également d'avoir un suivi de nos produits et d'avoir une qualité de fabrication qui est constante. Donc là-dessus, on est très satisfait. Donc nos planches sont également fabriquées en plaquage bambou, ce qui nous permet d'éviter d'avoir une fibre issue de l'industrie pétrolière. On a une qualité mécanique intéressante, on a un aspect écologique intéressant, on a l'aspect esthétique qui est indéniable. Donc je pense que c'est une des voies d'avenir pour la fabrication des planches, pour aller dans un sens un petit peu plus écologique. Et puis tout simplement, nous reversons à nos amis de Surfrider 4 euros. Donc voilà la petite plaquette qui sera proposée avec les planches, qui sont donc en magasin. Donc 4 euros reversés à Surfrider. Et à l'intérieur, bien sûr, on y trouve l'heure des pliants. Le petit autocollant Surfrider. Voilà, donc nous sommes très contents, assez fiers de participer pour les aider donc dans leur préservation du littoral, pour développer une planche. Et puis bien sûr, des essais de couleurs. Voilà, donc on a cette planche-là, celle-ci, bon, ce sont des exemples parmi d'autres. On a eu beaucoup de protos. Hindou, des rails shapés de manière asymétrique selon la carbac et la carfront. Un scoop relativement tendu, sans être trop tendu, des ailerons de qualité avec un vernis assez profond. Je crois quoi dire d'autre. Pareil sur des résines écologiques, sur d'autres fibres, etc.